Il y a quelque temps, j'ai acheté cet objectif d'occasion, mais il manquait le bouchon d'objectif. Je vous explique tout de suite comment on peut le remplacer sans dépenser un seul euro. Bonjour à tous, vous êtes bien avec Erwan Garel, photographe aviateur, et aujourd'hui je vous explique une petite astuce comment remplacer sans dépenser un euro, gratuitement, un bouchon d'objectif. Lorsque j'ai acheté cet objectif, un 300 mm f4 Canon, la personne à qui je l'ai acheté, qui était quelqu'un de toute confiance, un photographe animalier connu, avait perdu le bouchon d'objectif. Donc ça ne m'a pas posé de souci de lui acheter, l'objectif est en parfait état, je savais qu'il avait été bien traité, mais du coup, moi j'avais besoin quand même d'un bouchon. Commander un bouchon d'objectif, ça n'a rien de compliqué avec Internet, en adaptable, c'est moins de 10 euros. Et pour la marque de votre objectif, ça va être, selon le diamètre, entre 20 et 50 euros. En attendant de recevoir le nouveau bouchon, ou simplement si vous n'avez pas envie de dépenser d'argent là-dedans, il y a une solution. Sur certaines boîtes de café moulu, certaines boîtes de café apéritif, certaines boîtes de conserve, entre autres les pâtés pour chat, vous avez dessus un petit capuchon en plastique. Et bien ce capuchon en plastique, il peut nous servir de protection pour notre objectif. Celui que j'ai là est transparent et il tient parfaitement. Alors sur le 300 mm, il rentre juste à l'intérieur comme un filtre. Sur le 18-55 kit de mon 70D, il vient parfaitement se mettre en rentrant à l'extérieur et donc il tient très bien. Ensuite, il y a plusieurs tailles, ça s'adapte pas forcément à tous les objectifs. On a de la chance ou on n'en a pas. Et vous pouvez vous retrouver aussi avec un capuchon qui se retrouve logoté à la marque de votre pâté pour chat. Pas de chance. C'est tout pour cette petite astuce du jour. À très bientôt pour un nouveau tuto. See you.